Alors, j'avais mis un petit peu de côté, ou plutôt zappé, le montage de la vidéo, de la suite de la vidéo de notre voyage au Vietnam. Je m'étais arrêté à Nha Trang et puis ensuite on était parti sur Saigon. Donc, je vous propose de découvrir Saigon ou Ho Chi Minh Ville et puis le delta du Mekong dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour vous tenir informé et de lâcher un pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié le contenu. Nous venons de prendre place à bord du vol VN1345 à Nha Trang en direction de Ho Chi Minh Ville, Saigon. Le vol durera 40 minutes à l'heure où vous allez vous réveiller, boire votre café, prendre votre petit déjeuner, voilà. Un petit clin d'œil et puis on se retrouve tout à l'heure à Saigon. Ah, voilà, voilà, nous sommes arrivés à Ho Chi Minh, Saigon. Là, on est en route pour l'hôtel Majestic et puis c'est grouillant de vie tout autour. C'est génial, c'est génial. Ça roule. Je sais pas comment ils font. Non, je sais pas. Tiens, regarde, il y a des voitures partout. Par contre, les voitures, elles sont en super bon état. On regarde le parc véhicule du Vietnam, elles sont nickel, les voitures. Pour dire. Hein. Bon, on se retrouve tout à l'heure au Majestic. Mouac! Voilà, nous avons pris possession de notre chambre au Majestic. À Saigon, on est un petit peu dans le style du Negresco, je vous ferai découvrir tout à l'heure. Et ben en attendant, je vais déjà vous faire découvrir le trafic. Voilà, alors c'est pas seulement comme ça, un petit moment sur le vif. Saigon, c'est tout le temps comme ça. Bon là, il y a un bus qui bloque un petit peu le passage, sinon c'est le flux continu. De scooter et ça passe n'importe où, n'importe comment. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Alors les grabs en scooter ici, ils livrent pas de la bouffe, non. Ils déplacent les gens, comme des Uber en France, sauf que ça a que deux roues. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais c'est l'éclat total. Voilà, regarde. C'est génial, c'est génial, c'est du dépaysement ça, c'est génial. Et là, tel que vous voyez le truc, en fait, on marche sur le trottoir. Enfin, on essaye parce que... Il y en a qui viendrait fou là. En face de nous, il y a une jonque. Enfin, de l'autre côté de la route. Je vais pas m'approcher parce que... On en a jusqu'à demain pour traverser la route là. Ah merde.
Bonjour à vous toutes, à tous et vous toutes, à toutes. Ici Kogan Silvercloud pour Qu'il est qu'on voyage sur Qu'il est qu'on TV. Nous sommes actuellement toujours à Saïgon et dans le lobby du Majestic où nous attendons la navette qui va venir nous chercher pour nous emmener faire un petit tour sur le Mekong et puis visiter les fameux tunnels de la guerre du Vietnam. Et voilà, donc c'est un peu le programme de la journée. On fait ça un peu au pas de course parce qu'on est deux jours seulement ici. Ensuite, on ira sur Pukok. Voilà. On se retrouve tout à l'heure sur le terrain, côté Mekong, tout ça. From a car tire. You cut the tire and you make a sandal. This is what Ho Chi Minh learned from Europe, so we local people call this sandal the Ho Chi Minh sandal. Yeah? Yeah. And also the scarf can hide your face during the meeting, because during the meeting, sometimes, the ear spike. Donc ça c'est le puits. Donc là devant moi c'est ma fidèle assistante qui s'est pliée à... Ouais, on peut dire elle s'est pliée là. Elle s'est pliée. Et on est toujours dans les tunnels. Enfin, ouais. Là on a une sortie tous les 20 mètres. Ok. Ah, les chauves-souris. Eh bien, après cette petite visite, pourquoi petite, enfin cette visite des tunnels de Kouchi, on va rejoindre notre van et puis partir en direction du Mekong. Voilà, ouais, les tunnels, ouais, faut pas être claustro quoi. Voilà, nous sommes maintenant au bord du Mekong, là derrière moi, voilà, dans une ville qui s'appelle, je peux plus le dire parce que c'est un peu compliqué, ça veut dire la belle demoiselle en français, donc autant l'appeler la belle demoiselle. Voilà, on va embarquer à bord d'une de ces embarcations là derrière, voilà, je vous dis à tout de suite. Thank you.
around the boat waiting for us. Ah, le micro il est dans le mauvais sens, je vais essayer de parler dedans. Oui. Maintenant on va prendre le tuk-tuk. Toujours à Ho Chi Minh Ville, Saigon. Donc, ben, comme vous avez pu constater toute la journée en dessous, une magnifique journée, un beau voyage et puis plein de découvertes et magnifique. Donc, c'est notre dernière soirée à Saigon qu'on va passer dans un petit resto assez chicos près de l'hôtel parce que bon, c'est toujours compliqué d'aller plus loin, qui s'appelle le Han Tuk. Voilà. Le Han Tuk, tout simplement, on va manger des nouilles que j'ai demandé, pas trop épicées, merci. Et puis voilà. Donc, petit aparté, on est passé en rentrant du tour pour déposer des jeunes dans le quartier des backpacks. Hein. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Je me suis dit, ouais, on va déposer ces braves amis dans un quartier où il y a des hôtels miteux l'un à côté de l'autre. Et il se trouve que, non, pas du tout. En fait, le quartier Backpack à Ho Chi Minh Ville, Saigon, c'est très vivant, très animé, même beaucoup plus qu'ici. Et je pense beaucoup plus raisonnable. Voilà. Donc, on va se retrouver demain pour le voyage sur Phucoc, que je ne vous montrerai pas de faire partager, point par point. Encore une aventure. Voilà. Et en vous souhaitant une bonne soirée. C'est ça en Europe, hein, soirée, oui. Début de soirée. C'était Kogan Silver Cloud à Saigon pour Qu'il est qu'on voyage sur Qu'il est qu'on TV.